Ah, loulou. Ça clignote. Thank you.
Bon ben là on est sur le spot lui-même et j'avoue que c'est très très impressionnant, c'est vraiment très beau. Je commence à être un petit peu envahi par la peur naturellement et puis par un sentiment de fatigue, hein, ça c'est habituel sur des spots importants, la fatigue nous gagne. Bon ben c'est ça qu'il faut un petit peu régler la peur, le rythme cardiaque, les tremblements éventuels des jambes pour qu'en haut de la dalle on soit le plus serein possible. Donc là sur des hauteurs comme ça, je vais avoir du mal à serrer mes jambes dès le départ. Je vois peut-être que j'écarte un petit peu pour avoir plus d'équilibre. Parce qu'on est vraiment dans le vide. Et après c'est la technique qui prend le dessus. J'ai besoin de 3 minutes. Au moment où je mets les pieds sur la dalle, je vous demande simplement le silence. Merci. Aïe! Aïe! T'as pas de sang, mon garçon! Aïe! Oh, chute! Aïe! Vos sensations avant ce plongeon magnifique? Ben, un peu stressé quand même. Comparé à d'habitude. Thank you.
Une tarte au diaphragme, mais... Ouais. Je me suis fait rien du tout. J'ai juste pris dans le diaphragme. Je pense un peu les cuisses, mais ça c'est un petit détail. J'ai un peu mal aux burnes. C'est sick. Ah, pour être taureau, c'est normal, hein. Putain, c'est la classe américaine. Il est impressionnant parce que la roche, elle s'enfonce. Et du coup, tu découvres la hauteur une fois que t'es parti. Mais t'es vu partir, t'as bien rectifié le tir parce que moi, c'est parti un peu à plat. Ouais. J'ai bien plané. Hein. T'es chaud au sommet. Waouh, putain, c'est bon, c'est bon. C'est nickel, tout baigne, tout baigne, tout baigne. Tu vas monter, te mettre un peu les burnes au chaud. Hein, ouais, je vais mettre les burnes au chaud. Merci beaucoup. Thank you.